sans mon mascarpone. Et puis qui osse? Alors ici vous avez les tartelettes donc aux pieds de mouton qui sont cuits au barbecue, un goût légèrement fumé. Vous avez également une réduction de jus de champignons. Bonne dégustation à vous. Alors, je vous explique, il y a un ordre de dégustation, il se fait de la droite vers la gauche, vous terminerez par le haut. En bas à droite, vous avez une gelée iodée, un travail autour du chou-fleur, quelques coques sur le dessus. À gauche, c'est le ceviche de dorade, un céleri concombre, une eau de concombre que je vais venir verser. Et en haut, vous avez un tartare d'algues avec de la bonite séchée. Très belle dégustation. C'est un beurre des Aldudes. Que l'on achète doux, on le retravaille un petit peu, on le rend salé, on fait infuser des feuilles de figuier à l'intérieur et graines de sarrasin torréfiées. Je vais lui dire, non mais... Dites-lui. Oh bah, pas gêné. Alors, voilà les morilles des pins qui arrivent devant vous. Vous avez un filet mignon de sanglier qui est fumé aux aiguilles de pin. On fait alliance avec de la pomme verte également. Et il y a un jus crémé. Avec ceci, un jus de veau. Je vous souhaite une très belle dégustation. Merci. Les Saint-Jacques, elles sont cuites vapeur, bardées de blettes. Elles sont farcies également d'algues. Vous avez une mousse de lait, pickles de chou-fleur et un jus crémé. Très belle dégustation. C'est trop joli. Un petit clin d'œil du chef. Un petit clin d'œil du chef. Voilà, tout à fait, c'était pas prévu au programme. C'est gentil. Donc c'est le homard. Donc c'est son plat emblématique. Hein. Mmh. C'est vraiment le plat qui l'a fait connaître, si je puis dire. Et c'est également un souvenir d'enfance, puisque sa grand-mère lui préparait le homard grillé aux aiguilles de pin. Donc là, il le sublime avec un jus de homard parfumé au pinot des Charentes. Sur le côté, vous avez les coudes et les pinces de homard accompagnées d'une béarnaise travaillée avec la bisque de homard. Et pour accompagner le tout, vous avez la betterave. La betterave donc, qui est travaillée façon kimchi, donc qui sera légèrement fermentée, et ce qui va apporter un petit peu d'acidité à l'ensemble du plat. D'accord. Belle découverte et régalez-vous. Ah oui. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, on continue avec la darne de barbu, donc, qui est grillée. Vous avez en garniture donc, les cèpes, on en parlait hein, tout à l'heure. Donc là, ils sont rôtis. Vous avez également en brunoise avec de la livèche. Aussi le céleri sauvage et ici le savagnin crémeux à la livèche également. Excellente continuation à vous.
Donc vous avez la pintade qui est élevée et nourrie au Pays Basque. Hein. Là, vous avez le suprême donc, qui est cuit sur le coffre. On garde le moelleux, tous les arômes évidemment. Vous avez en garniture donc, autour de l'artichaut, notamment un chromeski, en purée également et de la truffe aussi. Vous avez sur votre gauche, donc comme un parmentier en fin de compte, avec un crémeux d'artichaut et les cuisses confites donc de la volaille. Pour les deux plats, vous avez cette sauce à bifera à base de fond de volaille et de truffes. Juste ici. Et pour terminer, vous avez en condiment feuilles d'artichaut et piquillos. Ce n'est pas à manger que le bout de l'artichaut, hein, comme quand on mange les feuilles d'artichaut. Et monsieur, le lièvre à la royale. Pas forcément besoin de tout expliquer, évidemment. Donc farci au foie gras, à la truffe. Et donc c'est cette sauce jus qui est liée au sang, évidemment, et cacao. Et vous avez les gnocchis parfumés à la sauge. Bien sûr, on vous met une cassolette de sauce en plus, parce que ce n'est jamais assez. Excellente continuation à vous, madame, monsieur. Ça se passe bien ? Bon, bah, tant mieux. Bah, c'est bien, hein, quand même. Ah oui. Nous serons autour du verjus. Verjus, on est sur du raisin assez jeune, donc on a la notion d'oxydation, voire d'acidité, acidité positive. On a une crème glacée qui est centre de l'assiette, un confit de raisin sur le dessus, quelques meringues, de la spiruline, voilà, pour le côté iodé en fin de bouche et un siphon de laitue de mer. Très belle dégustation. Le petit dernier. Alors ici, vous avez donc le dessert autour de la pomme, donc variété du Pays Basque. Elle est pochée dans son jus. Vous avez encore un petit peu le croquant de la pomme. Vous avez de la compote de pomme également. Le jus à la Christ marine et pomme, pour rester dans l'univers iodé du chef. Vous avez également une crème vanille qui va apporter pas mal de gourmandise au plat, qui est quand même assez frais. Et une émulsion au cidre du Pays Basque. À côté, pour le côté croustillant, vous avez des petites tuiles gavottes qui sont garnies de compotes de pommes également. Excellente fin de repas à vous, madame aussi. Gnardise, nous aurons le sorbet, feuilles de figuier, coulis à la fraise et nous avons une petite compote à la prune. Et avec ceci, nous aurons des truffes épicées au chocolat. Voilà. Hop, et voici. Avec ceci, nous aurons une petite infusion, thé menthe verveine, pointe de citron et de miel. Voilà, pour vous faire digérer tout ça. J'adore ça.